Il blague pas le gars, il m'a bien coiffé là ce con. Son nom c'est Mamadou Biguetcham, son Instagram s'affiche juste ici. Allez le follow. Bonjour tout le monde, c'est SVLCH3 Alger. Alors comme vous le savez, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'avais déjà fait le beat que j'ai publié il y a de cela quelques jours. Alors on change pas, vidéo remix. Aujourd'hui on va s'attaquer à Ibemir Muna de Ibawan. Alors dans cet instrumental, Lil B qui est le compositeur de la chanson n'a pas hésité du tout sur les mélodies et les percussions. J'ai ajouté beaucoup de mélodies, beaucoup de percussions, beaucoup de drums, à les fusionner, à les mixer un peu pour faire ressortir ce côté assez smooth de l'instrumental. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser que je suis en train d'élaborer un deuxième drum kit. Ouais, je sais. Ici, on perd pas de temps, les gars. Deuxième drum kit qui sera bientôt disponible aussi. Et j'ai même fini quelques basses et quelques 808. J'ai même inclus dans cet instrumental une basse que vous allez aimer. C'est parti. Alors pour cet instrumental, j'ai composé 6 patterns. Une première pattern que j'ai divisée en 2 patterns. Et la première partie de cette pattern, ce sont des mélodies que j'ai composées avec Nexus. La deuxième partie, ce sont des drums. Puis après, je suis directement passé à un troisième pattern, là où j'ai ajouté des marimbas de Hypersonic pour donner ce côté smooth. Puis vient automatiquement le pattern des basses que je vais encontrer, le Club Bass de Mangan Drum Kit 2. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler même. Bon, on verra les gars. Puis j'ai ajouté des samples et un piano électrique. Puis après une suite de notes de tambourine. Et enfin une trompette de Nexus. J'ai commencé une progression d'accord avec un pad de Nexus que j'ai combiné avec une suite de notes d'un string de Nexus. Que voilà. Et puis après, j'ai fait le layering de deux voix centralisées, c'est-à-dire sans séparation stéréo. Puis j'ai pris une autre voix que j'ai dupliquée et appliqué un effet stéréo à travers un phase, c'est-à-dire le décalage temporaire. Et enfin, j'ai ajouté une voix centrale de soutien. Concernant les drums dans cette première partie, j'ai ajouté des percussions de soutien qui viennent établir les directions à prendre. J'ai d'abord superposé deux percussions manquantes, le Manka Clap 1 et le Manka Snap 1, que vous allez retrouver dans mon pack déjà disponible, le Manka Drum Kit Volume 1. Puis après, j'ai ajouté deux claps complémentaires. Un triangle. Deux scrappers, aigu et basse. Puis un FP tray. Puis pour finaliser tout ça, j'ai ajouté quelques éléments de transition, tels qu'un bongo, deux cowbells, une snare, un hypersonique de percussion, c'est le 21 Century Live Drums, et enfin un crash.
on passe au troisième pattern. Alors ici, j'ai directement commencé à poser les bases du kick, le manquant kick tout. Puis j'ai vu la nécessité d'ajouter une certaine présence, d'où le nom du pattern Smooth Marimba. J'ai d'abord ajouté une kalimba de chez Hypersonic, le Natural Kalimba. Une marimba nommée Marimba X Kalimba. Et j'ai combiné les deux pour former une autre sonorité. Après ces éléments, j'ai ajouté une snare et un clap. Il faut savoir que ces patterns sont dispersés dans la playlist. Au lieu de faire un split by genre pour chaque élément de pattern, cette fois-ci, j'ai mergé tous les éléments pour former un seul pattern relatif à chaque partie de l'instrumental. Puis directement on passe au pattern club bass avec la nouvelle club bass qui sera disponible dans mon nouveau drum kit. Alors ici j'ai d'abord ajouté quelques notes de pad et de marimba de chez Hypersonic pour embellir le tout. Puis vient la club bass. Wow! Alors il faut savoir que pour cette basse de mon nouveau drum kit, j'ai enregistré quelques sons avec ce micro. J'ai pris quelques 808 de mon ancien drum kit avec lesquels j'ai fait du layering avec l'enregistrement que j'ai fait avec ce microphone et j'ai mixé, j'ai comblé toutes les basses fréquentes. C'est ce qui donne ce côté assez présent à cette basse là. Puis après ça, j'ai ajouté quelques drums complémentaires. Puis après tout ça, j'ai ajouté un autre pattern composé de quelques sons et d'un piano électrique. Alors pour clore le tout, j'ai ajouté une tambourine. Une trompette Nexus pour ajouter les petits effets, vous voyez ce que je veux dire.
Puis après tout ça, je suis directement passé à la structure des patterns relativement aux différentes parties de l'instrumental. Ceci met fin à cette vidéo et ne partez pas, vous allez voir le résultat final à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire, je vais les répondre avec plaisir. Sur ce, on se laisse sur le résultat final. Peace.